Mais je vais prendre clairvoyance. Voilà. Clairvoyance, indique-moi le chemin. C'est parti. Retour en arrière? Ouais, mais est-ce que j'ai plusieurs quêtes d'activer? Même pas. C'est le seul chemin valable. Putain. Allez. Allez, allez, allez. Putain, tu veux me faire passer par où, là? Par là? D'accord. Si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Ah, en tout cas, cette histoire de dragon, c'est... Ouais. C'est l'état de mort, de toute façon. Je le savais que c'était des trous du cul. Je savais qu'il fallait que je les bute, mais je savais pas que... Ils étaient reliés d'une façon ou d'une autre au dragon qui... En... qui peuple le ciel, de bord de ciel. Enfin, de Skyrim, plutôt. Un voleur. Oh, ou alors, un vendeur de drogue, ou je ne sais quoi. Ruine de feu. J'ai quelque chose qui convient parfaitement. Ouais. Passe-moi ton truc. Le sucre lune. Donne-moi tout. Non, ça ne marchera pas comme ça. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Ah bon? Oups. Paf. Venez dans. Oh, ça fait mal, hein. Oh putain. Il s'est régène. Enculé. Enculé. Enculé de Khajiit. Je prends ta drogue. Et ouais. Je fais partie de l'Empire maintenant. Enfin presque. Mais c'est tout comme. Donc je m'entraîne et je perquisitionne. Voilà. Ouais. De la drogue. C'est pas très légal tout ça. Donc je perquisitionne. Je récupère tout. Et puis tu peux dire adieu à ta drogue. Maintenant c'est moi qui en profite. Voilà. Et si tu veux de l'argent, c'est moi qui te ferai payer les intérêts. Quoi, c'est pas par ici, putain, je voulais... Ces marches d'escalier, ça m'intrigue. Bon, allez, on y va. On est des fous. Bon. Si j'ai dit que les marches d'escalier, ça m'intrigue, c'est pas pour ne pas les emprunter. Mais dégage, la chèvre. Voilà. Mais putain, elles sont toutes vides encore. Ça fait chier, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tertre. Non, non, un tombeau. Tombeau d'Ilgund. Oula, ça pue le... Ça pue le... Le drogre, ça. Ouais, je m'en fous. Il me faut la corne, on va arrêter de s'éparpiller, là. Même si... je sais que personnellement, moi, je serais pas... Putain, filmé, je le ferai avec plaisir, mais là, c'est... Non, trop, c'est trop. On va essayer de se concentrer. Surtout, le truc dont je suis le plus dégoûté... Bon, là, je suis hyper content. J'ai l'étoile d'Azura, l'étoile noire. Là, le côté dark des... C'est dark, voilà, c'est tout. Et je suis content, mais... cette baffe que je me suis prise avec l'Empire, ça fait mal, quand même. Ça me fait... J'ai un peu encore dans le cul, là. Putain, mais allez. Tronac de glace revient. Voilà. Lydia. Ah, c'est pas possible comme t'es lente, toi. Dis donc. C'est pas comme si t'avais une armure de 200 kg sur le dos. Un bon petit renard. Je vais pas l'attaquer, celui-là. Parce qu'il est tout gentil, tout mignon et tout ronron. Hop. On y va. Putain, mais c'est magnifique. Hein. Je peux pas regarder en face de moi. Je peux pas, c'est trop beau. Oh. Il n'y a pas l'air d'avoir un truc là. Ah non. Oh, des champignons. Hop. Des champignons. Ah. C'est le truc dangereux où on était. Ah tiens, j'ai bien envie d'utiliser la pierre de l'ombre. Ah oui. Ouais, j'ai pas envie de les affronter, donc... Voilà. Ouais. C'est un péage ici. 200 pièces
d'or si vous voulez passer sur notre route. J'ai pas assez d'argent. C'est vraiment dommage. Vous risquez d'avoir du mal à vous payer un guérisseur quand on peut. Tu saoules, hein? Sauf que là, je me fais paniquer. Et boum! Upgrade! Je préférais les arcs. Voilà, et je vais m'équiper d'un cri. Celui-là, il va te faire mal au cul. Ça va être le cri de glace. Voilà. Et donc là, je suis désolé, ma vieille, mais tu saoules, donc. C'est un péage. Encore ? Là. Voilà, ça t'apprendra. Salope. Ça c'est bon. Attends. Bon là, je les élimine parce que franchement, ils me saoulent. Attends Lydia, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux qu'on passe simplement? Viens, on les oublie. Viens, on les oublie un peu, non? Ou alors, on se les farcit d'ici. Je prends tout mon temps pour viser. Merde, à moins qu'ils m'avaient oublié. Ils m'ont peut-être oublié, qui sait? Non? Bon, bah écoutez. On va se faire aider, hein. Ah, celui-là. Je pense que je peux me le faire d'ici. Putain, mais c'est... C'est une véritable arnaque, le truc à 50%. Ne le prenez jamais, parce que... Votre vigueur, elle diminue pas. Enfin, elle diminue pareil qu'à 25%. Du coup, c'est complètement con parce que vous mettez plus de temps à... Oh putain, baffe dans ta gueule, toi. Vous voyez, en fait, vous profitez des effets à moitié, c'est ça qui est con. Yes! Tu vises mal, Lily. Oh putain, il est mort. Donc on va en renvoyer un. J'ai plus rien, c'est pas grave. Je prends un arc de verre, c'est pas le souci. Aïe. Ok. Qu'est-ce que tu veux, toi? Voilà, si tu descends, t'es mort. Ok. Putain. Putain, j'en étais sûr. Saloperie. Saloperie. Non, je vous tue. Je vous tue. Oh, putain. Magnifique, je vous tue. Bande d'enculés, je vous tue. Je vais te buter. Je vais te buter. Non, c'est bon ça. Je vais te buter. Je vais tous vous crever. Attends. Mais non, c'est le cri que je veux. Cri de glace. Objet. Vite, faut remettre sa tenue. Anneau enchanté, anneau doré. Ça m'a pas empêché de crever en un coup, hein. Ça fait chier ça quand même. Allez! Ta gueule, j'en veux pas de ta ligne de dialogue. Voilà! Crève! Merde, non. Ouf. Atronac de feu, je veux plutôt. Voilà. Donc. C'est pas grave, je fais une save ici, je m'en fous. Attendez. Que je fasse pas le con.
Une ruine de feu ici, ça fait pas de mal. Allez! Voilà. Allez, viens ici mon mignon, je t'attends. Putain, il esquive bien. Oh putain. Oh merde, ça fait chier, Lydia est partie par là-bas. Oh, c'était pas prévu ça. T'aurais pas pu rester à ta place. Merde. Putain. Oh la vache, c'est lui. Merde. Voilà, ça prendra toi. Oh putain, c'est un orc. Vache. Oh. Je vais couper par la rivière. Vache. Vite. Toi, tu vas te prendre un atronach de glace dans ta gueule. Ah, tu veux le fight, hein? Allez, je me barre, moi. Ouh. Là, c'est violent. Ah. Vas-y, crève, saloperie. Ah, putain, mais... Oh merde! Ils sont pas résistants pour un sou. Pile. Pile, ça fait chier. Petit. Ah, t'as peur de l'eau, hein? Hein, t'as peur de l'eau. Oh, quoique. Je pourrais presque me les faire comme ça. L'autre il s'est suicidé carrément. Aïe. Lydia est morte je crois. Non. Je crois qu'elle est morte. On va aller vérifier par curiosité. Putain mais ça c'est incroyable par contre. Ils font chier hein. Ah ouais d'accord. Carrément. Elle est morte, je suis sûr. Ah non, t'es pas morte. Vite. Oh mais non. Wow. Truc de fou. Aïe. Putain mais... Oh, il me déstabilise violent l'autre. Mais non, mais ils sont trop forts. Et là, ça se voit que c'est un autre niveau. Putain, mais c'est l'autre enculé, là, depuis tout à l'heure. Voilà. Oh non. Ah, il est là. Putain, regardez ce qu'il a. Regardez ce qu'il a comme... Oh, je prends... Putain, 254 d'or. Putain, l'armure de plate. Casque de plate. Ah non, mais c'est énorme. Je m'en tape. Je vais jeter un truc de merde. le mec, il pense à ça. Qu'est-ce que je... Putain, ça me sert à rien. Je lâche. Ouais, c'est bon. Allez vite. Je sais que je peux me le faire. L'ennemi est faisable. Lydia, tiens bon, j'arrive. Là. T'es où Lydia?
Ça va, t'es en bonne santé? Bon, je vais quand même te régène. Ça, c'est pas le régène. Attendez, c'est fini là? Je sais pas comment t'as fait pour survivre. C'est terminé. Incroyable. Incroyable. J'aimerais bien voir un truc. Est-ce que... Ouais. Est-ce que... J'ai juré de porter vos fardeaux. C'est mieux ou pas? Je sais pas, faudrait que je voie. De toute façon, je vais te les refiler, hein, c'est trop lourd pour moi. Ah putain, non, pas pour moi. Tiens. Non, apparemment, c'est pas forcément mieux. Ah si, les bottes. Et le casque aussi. On voit plus ta tête. Passez devant, je vous suis. Bah vas-y, on voit plus ta tête. Bon bah... pourquoi pas. Écoute, si ça peut améliorer ta défense, pourquoi pas. Hein. Alors... Non, c'est que du caca, ça. Ça, c'est bon. On va visiter, apparemment, ils sont revenus. Hein. Oh, putain, je me balade encore en caleçon, là. Ça le fait pas. Je vais remettre mes habits de mage. Où ils sont mes habits de mage? Ah, alors, non. Ça, c'était la robe de tapette. Qu'est-ce que... Hop. Putain, je m'y retrouve pas. Capuchon spécialiste. C'est bon. Techniquement, il y a des nouveaux trucs. Ah ouais. Ils ont tout remplacé. Bah, c'est énorme. On fait deux fois le même endroit. L'endroit, je le connais par cœur. En tout cas, l'architecture. Et ça marche. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Hop. Petite save. Le laboratoire d'alchimie, de toute façon, je l'ai chez moi. Je pourrais... J'expérimenterai des trucs aussi. Hein. J'essaierai. J'ai plein de trucs, du coup. Putain, c'est énorme. Parce que... Attendez, je vais essayer le truc du feu, tiens. Pour voir. Rune de... Non. Putain, c'est quoi? C'est boule de feu. Bon, pourquoi pas. Et flamme. C'est où les flammes? Ah, c'est là. Non. Plutôt juste ça. Bon. De toute façon, ça peut pas être plus petit que novice. C'est le mauvais exemple. En fait, ça peut pas être plus simple. Donc, mauvais, mauvais, mauvais. Hop. Ok, merveilleux. Qu'y a-t-il en haut? Oh! Big coffre avec de l'or, parchemin appel aux armes. Ah! Ah, ça c'est cool. Oh putain, 10 minutes appel aux armes. Oh, ah, c'est merveilleux comme parchemin ça. Potion de soins légers, du vin, table basse. Vie d'Uriel Septime, je prends. J'ai que ça à faire de lire. Dans l'armoire, qu'y a-t-il? Une tunique avec une ceinture. Ouais, sauf que moi j'y vais à poil à Blanche Rive. Et là, nous avons un morceau de fromage et un arc elfique de tempête. Donc, putain, ça, ça a l'air merveilleux. Voyons. Arc elfique de tempête. 24 de dégâts. La cible subit 31 points de dégâts de foudre et de magie. Et la moitié de dégâts magiques. Vous vous rendez compte, c'était dur. Effectivement, c'était dur. J'étais peut-être pas spécialement au niveau. Mais les objets de psychopathe que j'ai récupérés, voilà. Voilà les quêtes annexes. Voilà pourquoi il faut faire les quêtes annexes. Même si c'est dur, même si on se prend des claques, même si on a l'impression que c'est impossible, on a notre fidèle Huskarl et les Atronachs. Et c'est pas moi qui combat, mais je m'en fous. Un mage, ça combat pas. J'ai aucun problème éthique avec ça. Du fromage! Du franc-ton. Je prends... Ça me saoule parce que je l'ai déjà fait, ça. Je l'ai déjà fait. Incroyable, quand même. Incroyable. Ok, le vin, je prends... Qu'est-ce que c'est que ça? Du pain, je prends. Tu me fais peur, toi, maintenant. Je vois plus ton visage. C'est sûrement pas avec toi que je vais me marier, dis donc. Ça me ferait trop mal au cœur de me marier avec ma femme qui va mourir. Enfin, qui risque de mourir. Si jamais un jour je suis pas content, je te décapite. Et non, je peux pas te décapiter, je suis pas un barbare. Mais il n'empêche que
Je ferai des trucs de nécromancien avec toi. Voilà. Hop. Crochet. Armure. Oh, les armures d'écailles. Parce que c'est comme ça. Et il y avait un troufion là qui était mort aussi dans le coin. Boah. Le courant t'a emporté, alors va au diable. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Par contre, je vais aussi te filer un autre truc juste pour vérifier. Cette fameuse arme là. Putain, comment ça s'appelle? Là, le marteau, voilà. Je vais te le donner pour voir. Ah oui, effectivement. Non. Ça t'a rien changé. Tu préfères ton épée apparemment. Je crois. C'est l'épée enchantée, ça? Je suis derrière vous. J'ai juré de porter vos fardeaux. Ah ouais, tu préfères ça. Bah écoute. Ouais, mais elle tape plus mal. Putain, ouais, mais ça fait plus de dégâts. Hein. Ouais, bon, vas-y, garde ton truc, ça te régène. Donc, vas-y. Tu l'utiliseras quand t'auras plus de... quand t'auras plus rien. Moi, je vais juste faire une grosse save. Voilà. Putain, il y a des sauvegardes qu'il faudra que je supprime. Oui, si tu veux. Sauvegarde sur la partie rapide. Aucun problème. Hadouken ! Boum ! Merveilleux. Bon, bah, on continue. Hein. Il faut rejoindre... faut remettre la corne à Jürgen par le vent. Qui c'est là-bas que j'ai vu au loin? Ami ou ennemi? Humain ou créature démoniaque? Orc ou elfe? C'était une chèvre. C'était un élan. Parfait. Je passe encore pour un con. Merveilleux. Oh, c'est quoi ça? Du coton sauvage. J'en avais jamais eu avant. Je crois pas. Ah oh, putain, il faut encore gravir les 7000 marches. Chut. Oh, ben, c'est parti. Je gravis les 7000 marches, pourquoi? Parce que, d'un, ça me permet de leveler. Bon, vous allez me dire, tu level, mais les ennemis sont encore plus forts que toi, parce qu'ils s'adaptent à ton niveau. Oui, très bien, mais en tout cas, j'aurai des équipements qui ressortent du poney. Et ça, je suis désolé, mais ça n'a pas de prix. Par contre, c'est vrai que le chemin, ça fait une petite trotte. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah! Ouh là là! C'est des fermiers qui s'attaquent à... Ouh là là, des chasseurs carrément. Bon, poussez-vous les filles! Merde. Voilà! Boum! Ça t'apprendra! Quoi? Je viens t'aider, salope. Racine noueuse. Ok, vous êtes jumelles, c'est parfait. Je braconne, mais regardez donc. Alors, qu'est-ce que tu vends, toi? Nourriture pâte de lapin. C'est que de la merde. Bonne journée. Il y en a assez pour tout le monde, si vous n'êtes pas trop avide. Bah ouais, mais... Ok, je fais du moonwalk à cause des touches qui bug. Je chasse et je pêche par ici depuis les... Je cherche le loup, les loups, les loups, les loups, les loups. Revenant. Oh. Ouais, je peux le ramener à la vie. Merveilleux. Con, mais ça ne fait de mal à personne. Merveilleux, merveilleux. Bon, mais de toute façon, je pense pas que je vais me planter ou quoi que ce soit. Juste, je vais vérifier. Clairvoyance. Clairvoyance. Ah, clairvoyance. Oh putain, j'ai le truc bizarre là. Fais voir la gueule que t'as, toi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est chelou, ce truc. Mais en même temps, ça a une putain de dégaine, j'adore. J'adore. Et dire qu'avant, tu me tuais en un coup. Lol. Maintenant que j'y réfléchis, c'est lol. Putain, je balance mes revenants n'importe où. Oh,
N'importe quoi, le Dark. Bon. Ah, c'est par là. Ah, mais j'aurais bien été tenté d'aller enchanter un truc. Ouais, non, ça m'étonnerait qu'on croise un humain si tôt. Oh, et puis même si on en croise un, je m'en fous. Ouais, fuck it. Fuck it, fuck it. Bon, bah c'est merveilleux tout ça. On va couper parce que je suis un sauvage. Parce que je respecte pas le code de la route. On va pas croiser d'humains si tôt. Tu parles. Ça m'aurait bien fait plaisir d'avoir encore une âme de justicière Talmor là. Voilà. Ok. Toi là. Boum. Ouais, dans ta face. À crever. Voilà. Oh putain, c'est touche. Ah, saloperie de touche. Quoi? Pourquoi c'est ralentissement dès que j'essaye de courir? Bon, je comprends pas trop. Voilà, ça t'apprendra. Saloperie, bah. Ouais, j'ai libéré un prisonnier des Talmor, merveilleux. Alors, je prends parce que ça vaut cher. Ok. Ensuite là, justicière Talmor. Non, c'est que de la merde. Et... Putain, c'est bizarre, exactement au même endroit, quoi. Incroyable. Incroyable. Bon allez, on continue là. Y a pas de temps à perdre avec des Talmor à la con. Voilà, c'est parti. Je suis content là, je bute du Talmor. Ah, ça me fait plaisir. J'adore la fille là. Comment s'appelait déjà? Pomme Dauphine, Delphine là. Eh. Je ne pense pas que le Talmor vous soupçonne. Je ne pense pas que le Talmor sache que vous existiez. Bah bien sûr, j'arrête pas de les massacrer sur le chemin, mais à part ça, non, ça va. Je suis discret, c'est bien connu. Ah, le Dark très discret. Ah là là. Petit lapin. Petit lapinou deviendra grand. Petit lapinou a tué un cerf, c'est pas bien le lapinou. Oh, on est déjà à Rivebois. Rivebois, ils m'ont fait un détour de ouf. Parce qu'il faut passer par là, puis ensuite par là. Oh, oh tu dis fatigué. C'est loin, hein. C'est loin, c'est loin. Allez, il y a le courant, là. Yam. Oh, c'est bon. Et là, il y a encore le garde de Blancherie qui fait... Et encore le garde de Blancherie qui fait attention. Quoi? Putain. Qu'est-ce que... Attendez là. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, j'ai fait quoi? Là, il y a un problème, là. Il y a un problème. Pourquoi j'ai une prime sur ma tête? Je comprends pas, je vais aller à... On va se rendre à Blancherive. Pourquoi j'ai une prime sur ma tête à Rivebois? Qu'est-ce que j'ai fait à Rivebois? Quelqu'un peut m'expliquer là? Je comprends pas trop.
Mais putain! Pourquoi? Je comprends pas, sérieux, pourquoi? Attendez. Charger. Attendez, ça date de quand, ça? Ça date de quand? Putain, attendez. Là, je vais me téléporter à... Blanche Rive, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai ma tête mise à prix? C'est pas ça, putain. Oh, je sens que ça va me saouler, ça. Blanche Rive. Mais pourquoi il me parle de la... des gardes qui attaquent? Pas ici. Je vous ai dit de me retrouver à Rivebois. Vous avez entendu, il y a eu une autre attaque de dragons, au bosquet de Kin cette fois. Avec tout le respect que je vous dois, je vais vous demander de museler votre chien. Ces hurlements qui proviennent de Yorvaskre dérangent tout le monde. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ne vous imaginez pas pouvoir négocier avec moi comme si j'étais un de ces fichus marchands. Attendez, attendez. Pourquoi tout le monde se dirige vers là? Je travaille pour Bellator. Magasin d'alimentation générale. Tu me tues pas, toi? Une armure légère permet de se déplacer facilement. Malin. Ouais, malin. Rivebois. Attendez. Par Shor. Ah putain, j'ai avancé automatiquement, j'ai eu peur. Putain, mais saleté de touche. Bouh. Manquez de respect à la... Que voulez-vous? Oh, putain. Mais, putain, l'étale mort, c'est pas dans votre coin, là. J'ai un grand respect pour l'école de guérison. Putain, mais déjà, qu'est-ce que vous branlez ici, sérieusement? Vous êtes venu aider Rivebois, c'est ça? C'est le garde qui vous envoie? Ah mais allez, mais putain. Bon allez, je m'en fous, je me refais le donjon là. Je me refais ça tout seul. Je récupère tous mes objets. Et je vous retrouve là-haut. Hein, parce que là... Putain, mais c'est à cause de ces enculés de Talmor. Mais j'ai pas vu qu'il y avait une prime. J'avais pas vu. Toi là. Boum! Ouais, dans ta face! À crever!